Le Made in Cameroun, de plus en plus présent au sein du mouvement sportif camerounais, après l'athlétisme, le golf et le volleyball, c'est au tour du football de bénéficier du soutien de Camtel à travers ce partenariat signé ce jour entre la Fédération camerounaise de football et l'opérateur public de téléphonie du Cameroun. C'est une convention qui a une importance capitale pour nous. Vous savez ce que représente le football, non seulement pour les Camerounais, mais pour le monde entier. Donc, c'est tout à fait exceptionnel pour nous de pouvoir nous joindre à la Fédération camerounaise de football pour véhiculer nos produits et plus particulièrement notre véhicule Blue pour que nous puissions vaguer, n'est-ce pas, sur les ondes de la Fédération camerounaise de football avec notre icône mondiale, le président Sandy. Un bonheur pour le nouvel exécutif porté à la tête de l'AFECAFOOT le 11 décembre 2021. Je n'avais jamais imaginé que je serais assis à côté de toi, chère maman, pour signer une convention. Nous avons grandi avec cette entreprise camerounaise. Ce nom a beaucoup voyagé. A tellement voyagé comme les lions indomptables du Cameroun. Et l'honneur pour moi est tellement grand. Marqué tout à l'heure sur ces contrats, ce partenariat. Un partenariat qui semble redonner de l'espoir à l'instance fêtière du football camerounais au regard de nombreux atermoiements et déboires observés ces dernières années. Et plusieurs personnes avaient peur de cette FECAFOOT. Et je me réjouis de savoir que Camtel fait confiance à la Fédération camerounaise de football. Ça veut beaucoup dire. Un travail d'équipe qui aboutit à ce bonheur pour les membres de la Fédération camerounaise de football. Nous disons d'abord merci à notre maman qui a pensé, qui a réfléchi, et le président de la Fédération camerounaise de football. Dès son premier jour, on a été lui, il a dit, j'irai avec Camtel. Papa, tu es bien avec la main avec Camtel, il faut y aller. C'est la mission qu'il m'a confiée, c'est l'investissement. Nous sommes fiers aujourd'hui que notre entreprise numérique, la seule que nous avons et qui peut nous accompagner, et soit la première entreprise également qui nous accompagne. Reste plus qu'à espérer que ce mariage soit des plus fructueux pour les deux parties.